Bonjour à tous, je suis Coffee Cypher et bienvenue dans mon hangar de Star Citizen où je vais vous présenter rapidement le petit Merlin. J'aimerais faire un peu cette nouvelle série de tests de vaisseaux, mais pas une simple review, plutôt un est-ce que vous devez acheter. Donc là, le Merlin vient d'être disponible à l'achat, donc au pledge, pardon, parce que c'est pas vraiment de l'achat, c'est un petit peu différent. Donc il vient d'être disponible au pledge sur le site de RSI pour 20 malheureux dollars. Donc celui-ci, je l'ai pris parce qu'il m'intéresse. Et après essai, je vais juste vous dire ce que j'en pense. Est-ce que, à mon avis, dans quel cas vous devez pledge sur ce vaisseau? Dans quel cas les 20 dollars dépensés dans ce vaisseau vous aideront? Alors premièrement, le modèle est magnifique. C'est vraiment un joli vaisseau. Il est un peu petit, il fait à peu près la taille du M50, c'est un petit chasseur agile, il est marketé, comme un racer slash intercepteur. Donc du coup je vais l'emmener faire un petit tour de course. Comme vous voyez là, c'est mon 9e tour, donc je commence à avoir un peu le hang of it, et j'ai trouvé un petit truc marrant là avec le nouveau système. Ici là, je passe le comstab on et ça me facilite grandement la vie. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon meilleur temps, donc en faisant un petit essai, parce que les vaisseaux glissent vachement plus, et donc du coup là, pour ce raccourci spécifiquement, là entre le 2e et le 3 de Old Van Der Waal, ça passe plutôt bien avec le comstab, on désenclenche après et c'est reparti. Voilà, petite parenthèse technique pour les racers, petit conseil pour se rendre la vie un peu plus facile peut-être. Alors c'est peut-être pas la façon la plus rapide de faire une course, mais disons que sur les 3 tours, si vous passez à chaque fois avec un petit peu de retard, enfin avec le moins de retard possible, et que le mec qui passe plus vite que vous se crache à un moment, vous pouvez gagner. Surtout que ça se joue vraiment à ça en fait, la victoire dans les courses sur Old Van Der Waal, ça se joue vraiment à l'erreur quoi. Sur toutes les courses d'ailleurs, la 2 et la 3 c'est encore pire parce que les erreurs peuvent être faites plus facilement. Et voilà, je réussis à combler le tour gentiment, on arrive à la fin du tour, et c'est le meilleur tour que j'ai réussi à faire. Je suis pas le meilleur racer, mais 1.20.92, c'est pas dégueu, il y a des gens qui ont réussi à exploiter un bug en faisant... où ils volaient en fait en dehors du vaisseau, le personnage n'ayant pas de cap de vitesse, tout allait bien. Alors... Ouais, en course il est sympa, mais il va pas, c'est pas lui qui vous fera gagner la Murray Cup. Ouais, si c'est sympa si vous avez par exemple un Aurora, que vous êtes intéressé pour passer un pas au-dessus sur la course, pourquoi pas prendre un petit Kruger Intergalactic P52 Merlin, non rallonge. Si c'est pas mal pour la course, c'est vraiment, enfin c'est sympa, c'est facile à prendre en main, mais tous les Mustang Gamma, Mustang Omega, M50 et j'en parle encore moins du 350R vont vous laisser dans la poussière. Vous allez avoir un meilleur temps plutôt qu'un Gladius. Vous avez la même vitesse, mais vous êtes un poil plus maniable avec ce petit vaisseau. En combat, il s'en sort plutôt pas mal. Alors, on a appris que on pourra pas changer la Gatling qui est centrale, qui prend carrément tout le capot du vaisseau. Et on pourra pas changer celui-ci, mais on pourra changer les canons d'aile. Alors les canons d'aile là, c'est des M3A pardon. Moi, j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan. Je trouve pas que c'est les meilleurs canons. La Gatling marche bien, en revanche. Faudrait que j'essaye de mettre des petits repeaters, mais là je voulais le laisser un peu dans sa configuration d'origine, histoire de vous montrer qu'est-ce que vous avez. Enfin, pourquoi vous allez pledge si vous pledgez ces 20$. Il est aussi disponible à la location en rec. Et alors là, du coup, en rec il coûte que dalle, c'est 2000 rec, donc vous faites 3-4 parties, vous êtes sûr de pouvoir vous le louer. Et vous pouvez vous faire plaisir. Donc là c'est un Vandal Swarm solo parce que pour enregistrer c'est mieux, c'est plus fiable en fait. C'est juste des fois ça se passe pas très bien avec le matchmaking. Enfin, on tombe sur des trucs, ça crache plus souvent. Enfin bon, donc pour enregistrer, j'ai enregistré sur en monoplayer. Je me suis pris un truc là, j'ai perdu un canon. Alors ouais, l'ennui c'est que comme on n'a pas beaucoup de canons, ben quand on en perd un, on est plutôt mal. Donc voilà, c'est un très bon vaisseau pour Arena Commander.
Et c'est là où je vais arriver à mon point un peu plus final. En revanche, vu qu'on a appris dans le Q&A qu'il n'aura pas de... comment ça s'appelle ? De Quantum Drive, l'équivalent du Frameshift Drive sur Elite. Donc on sera bloqué à 240 en fait, max, c'est le max de la vitesse, et il pourra pas passer sur les vitesses supérieures pour le mode Supercryze en fait, le mode voyage rapide qui vous permettra d'aller un peu plus vite d'un point d'intérêt à un autre. Donc en fait il est vraiment dépendant de son constellation, on voit bien le boost qui recharge pas, ça oblige à dock. Et donc du coup en fait si vous l'achetez pour l'univers persistant, ben c'est un peu dommage en fait, parce que dans l'univers persistant il sera vraiment pas utile à moins qu'il soit couplé à un autre vaisseau. Donc bon, a priori si vous avez un, comment ça s'appelle, un Aquila, donc un constellation Aquila qui peut prendre le chasseur mais qui l'a pas de série, donc voilà, pourquoi pas, ça là c'est un bon ajout. Sinon moi, donc enfin moi je l'ai pris pour pouvoir le tester, et je pense que dès que j'aurai quelque chose de plus intéressant, je le changerai, enfin je l'échangerai contre des crédits pour diminuer la facture sur un truc plus intéressant, parce que encore une fois dans l'univers persistant il va pas être très très utile. C'est à peu près tout ce que j'ai pour le P50 de Merlin. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez plus d'informations sur le Merlin, ou si vous voulez en donner plus. C'était Coffee Cypher. Je vous souhaite un bon vol et à la prochaine. Salut, salut.